En 2008, la plus sportive des Moto Guzzi enfonce le clou. La Griso devient Griso 1208V et se pare de quelques nouveautés esthétiques et pratiques, mais on retrouve avec bonheur sa ligne néo-rétro, longue et basse. Quattro valvolé pour 4 soupapes, cette inscription que l'on retrouve sur chacun des deux cylindres de la Moto Guzzi Griso 2008 annonce la couleur. La belle italienne gagne 4 soupapes et 87 cm3. Un moteur 1200 avec 8 soupapes, on s'attend à un surcroît de couple et de puissance. Bingo! La Griso développe maintenant 110 chevaux à 7500 tours minute. Le mode de transmission fait évidemment toujours appel au cardan, alors que la double sortie d'échappement change pour prendre la forme d'un 8. Si son moteur gonfle, son équipement se radicalise. La fourche inversée Showa, entièrement réglable et digne d'une super sport, tout comme son freinage, radial avec à l'avant deux disques pétales braking de 320 mm. Dans la liste des nouveautés, on retrouve un guidon moins large, une nouvelle selle ainsi que des repose-pieds reculés. Son tableau de bord reprend les principales caractéristiques de la famille Piaggio. Il est complet et lisible. Au guidon, on est tout de suite surpris par son centre de gravité très bas. Les petits gabarits n'auront pas de mal à poser les pieds par terre. Bon point pour manœuvrer ses 222 kg à sec. Le nouveau bicylindre s'ébroue dans une sonorité caverneuse très plaisante avec une plage d'utilisation très large. Pas besoin de jouer avec la boîte, la Griso enroule sur le même rapport de 1500 à 5000 tours. À l'arrêt et à faible vitesse, les novices seront surpris par le couple de renversement qui fait pencher la Griso à droite à chaque sollicitation de la poignée de gaz, la Moto Guzzi Touch. Si la Griso est plutôt typée sport, pour une Guzzi, l'attaque n'est pas son terrain de prédilection avec pas mal d'inertie au niveau de la partie cycle et du moteur. Elle préfère les longues balades sur le couple, son point fort. La surprise que nous a délivrée la Griso se trouve pourtant à la limite de la zone rouge. À fond, passé 6000 tours, elle vous met un véritable coup de pied au derrière. On a l'impression que la Griso est équipée d'un turbo. Les longs périples ne lui font pas peur, grâce notamment à une selle creuse, confortable et une position agréable. La Griso colle à la route à défaut d'être un modèle de maniabilité. La Griso 2008 garde sa gueule d'enfer et gagne en sportivité avec son nouveau bicylindre et sa partie cycle Limit Racing. Ses cotes et dimensions ne font pas d'elle une sportive, mais une moto agréable et confortable qui en a dans le ventre. Avec ce modèle, Moto Guzzi ne décevra pas les fans et ouvrira pourquoi pas ses portes à de nouveaux adeptes. Attention, l'entrée est à presque 13 000 euros.